Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue pour l'épisode 4. Alors, aujourd'hui, notre devoir, c'est de préparer les champs. Oui. Fondre des minéraux, préparer des clous. Oui. Essayer de voir si on peut récupérer un maximum des planches en forêt. Oui. On essaye de finir tout ça là en place. 30. Il faut 30, 35 des planches ici. Ici, j'ai besoin combien? Ah oui, 80 planches ici. C'est beaucoup, hein? Ah oui, ça rigole pas. Aujourd'hui, ça rigole pas pour les planches. Mais c'est déjà un bon début. Il faut 20 de fibres végétales. Je vais voir si j'en ai pas dans l'entrepôt. J'en ai 19. Oui, c'est bon, j'en ai assez. On va la mettre tout de suite dedans, comme ça c'est prêt. Le deuxième. Parfait. Il me reste 8, on va les garder au cas où. Qu'on va faire? J'ai dû trop darder, par contre on est plein. J'aimerais bien débarrasser un peu. On va juste liquider tout ça. J'ai besoin de la plate dans la charrette. Touche F3. J'aimerais juste. On va liquider tout ça et après on va aller en forêt. La terre des forêts, je vais la mettre dans l'entrepôt en attendant. C'est bon? Je peux liquider ça dedans? Oui, ah, j'ai mis trop ici. Attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà, il faut mettre les pieds au sol. Voilà, ça a monté. Oui. Alors, ah, il commence à faire nuit. Alors, tout ça, on va les ranger. Ça, ça va ici, ça aussi. Ça, on va aller s'équiper. La pièce, on n'aura pas besoin pour le moment. Ça, on va s'équiper. Il va bientôt faire nuit. Alors, on va l'allumer. Mince, je voulais récupérer le. On va déposer ça là-dedans. Ok, le deuxième. Alors, avec les pavés, normalement, ça devrait plus poser de problème. Ça devrait aller un peu plus vite. On va enlever ça. Comme ça, j'arrive mieux à pivoter. Je crois que je vais manger tout de suite ou après. Je crois que je vais manger après. Allez, c'est parti. Par contre, ah, ça, c'est compliqué maintenant. Le problème, c'est que pendant la nuit, je vois rien, le sol. Normalement, j'ai dû faire ici. Ah, ça va. Je retrouve facilement. Allez, on va traverser un peu la forêt. C'est là où c'est plus lent à avancer. C'est normal. Parce qu'on n'a pas mis des pavés. Donc, c'est pas le but. On va se garer ici.
Oula. J'ai cru que c'était un bug. Alors, on a mis un panneau ici. C'était pourquoi? Celui-ci? Oui, celle-là, il faut pas qu'on la touche. Et celui-ci, et si on les débarrasse. Enlever la souche. On débarrasse. On enlève la souche. Je rappelle que je joue en mode GM encore. Hein. Et celui-ci, 32, on le débarrasse. On va faire tout de suite. Alors, débiter en planche. C'est parti. Comme toujours, on fait attention aux régions. Là, comme je viens d'en avoir de nouveau, on le garde. Après, j'en ai deux. Ça, on les met en chambre, on s'en fout. 10 planches, c'est un bon début. On continue. Ça, c'est quoi? On le met dedans. Il n'y a plus? Ok. On continue. D'accord. En billette, pour finir. C'est lequel? C'est celui-là? Ok. Ok. On met dedans. On va les mettre dedans. On est à 340 pour 10 planches. Non, on le met dedans. On n'a pas besoin. Celui-ci, je vais les garder. Et on continue. Alors, celui-ci. On débarrasse. On enlève la touche. Parfait. On continue. On va regarder ici. On débarrasse. Non, pas besoin. Pas besoin. Ok. On inspecte. On débarrasse. Et celui-ci. On débarrasse. Très bien, on a 3 rondins au sol, on va débarrasser. Ça y est, celui-là, on va le garder. On continue. Très bien. On vérifie. On assemble. Celle-là, on garde. Du coup, il reste encore 3 planches. On a pour les 2 poulaillers qui sont finis au niveau des planches. Et après, il va falloir refaire 80. Pour le pergola. On débarrasse. On met la touche. Et blanche. Ah, de nouveau. Et celui-ci, je crois qu'on devrait les garder, celui-ci. Non, même pas.
Je pense que je vais la... Non. Si, c'est quoi, on va l'enlever. Je vois pas pourquoi elle devrait la garder. Le buté. On n'aura pas grand chose parce que c'est une mauvaise qualité. Ok. On met dedans. On continue. Ça, ce sont des pommiers. Celui-ci, faut le garder. Alors, du pain. C'est du bois de tendre. On va l'abattre. Et on va perdre du temps pour rien. Débiter les planches. Je savais que c'est du bois de tendre en planche. C'est pas grave. On finit. Alors, 50, 5, les deux on débarrasse, on veut la chose, abattre, on enlève la chose, et on refait les planches. Alors, c'est qu'on a ici. Abattre. Billette. Ça c'est bien. On va récupérer un maximum. Au niveau de 50, on récupère combien de planches? Oui, planche pour un niveau de 50. Ok. 46. Ça sera plutôt 7 planches. Ah oui, j'ai eu un peu plus que l'autre. Ça, c'est vraiment intéressant. Apparemment, c'est pas la même chose au niveau des espèces d'arbres. Là, ça veut pas dire que ça donne la même quantité. On profite.
Allez, on fait la dernière. Normalement, ça devrait être bon. Qualité 3. Ce qui m'inquiète. Ah, on le garde. On garde. On garde. On met dedans. Je crois que je vais encore faire encore une. Celui-ci. C'est pas grave. J'ai dû bugger. Ok. J'ai dû faire un test, je vais essayer de retirer les GM pour voir. Ah oui, d'accord. Il y a une différence. Ah non, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai dépassé la limite de capacité du poids. Donc c'est pour ça que je suis très lent. C'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai triché avant. Magnifique. C'est une belle tête, des cicatrices sur les visages, incroyable. C'est trop bien fait. Allez, on va poser la charrette ici. Ah bah, tu sais quoi, sur moi, je vais les déposer là-bas. Un marteau. Je savais. C'est parce que je suis plein sur moi. On va poser ça ici. Ça, on va les garder. Faire les pièces rares, je vais dire. Alors, je sais pas combien il m'en faut. Je vais essayer 20 ou 30 pour voir.
il est trop chargé. Et du coup, je suis à quoi là? Ah, j'ai trop de billettes. Pas un bête, gérer le four. On peut mettre les dents. Allumer, souffler. Par contre, le bois de tendre, ça marche pas. Raffiné en charbon. D'accord, on dirait pas que ça marche. D'accord. Je savais pas que le bois de tendre ne fonctionne pas. Parce que je me suis dit que faire une forêt de bois de tendre pour brûler et les bois de doux pour garder pour faire la construction, mais du coup, ça, en fait, ça change à rien du tout. Du coup, pourquoi j'étais un compte? Normalement, j'avais 80 là-dedans. J'ai perdu. Trop chargé. Trop chargé. Oh là là, c'est quoi ces délires? Trop chargé. C'est une blague ou quoi? Dix planches tellement. J'espère que je peux m'équiper. Oui, c'est bon. Déplacer, on va aller s'approcher vers là-bas. Lâcher l'objet. Placer. Normalement, en vrai du jeu, normalement, on joue comme ça. Hein. Sans le GM, c'est ça. Hein. Il faut bien supporter que ça dure très très long pour tout déplacer, pour farmer, etc. etc. Même si vous allez jouer en MMO, GM, ça n'hésitez pas. Hein. Mais par contre, plus que vous êtes nombreux avec des amis, oui, là, forcément, vous allez beaucoup plus vite, vous n'avez même pas besoin de jouer en GM aussi. C'est beaucoup plus rentable aussi. Mais là, vu que je suis en solo, on va pas prendre la tête pour ça non plus. Hein. C'est ce qu'il me fait. Qu'est-ce qui se passe? Construction. Ah voilà. Je croyais que j'ai eu un petit bug. On va mettre 9. Voilà. Et maintenant, on continue pour l'autre. C'est pas évident hein, de jouer. Hein. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai. Je crois que j'avais mis les plantes des régions dans l'inventaire. Où j'ai dû mélanger. C'est possible. Non, c'est juste, hein. Par contre, il me manque des planches.
J'ai l'impression que mes planches, ils ont disparu. J'ai dû faire une bêtise là. J'avais 80 plus le reste encore. C'est pas possible. C'est bizarre. On est d'accord, j'en avais 80 plombs, plus encore les 35 pour le poulailler. On dirait qu'il a disparu. Ça me paraît bizarre. Parce que là, j'ai que pour le pergola. On va l'enlever. J'ai dû vérifier. Ah ben il était prêt, charbon quantité, 40, c'est parfait, on termine, je crois que c'est les derniers, un charbon me donne 4, ça c'est cool, et du coup ça marche pas, tant pis. Non, attends. On va les mettre dedans. Peut-être ici. Voilà. En attendant. J'en étais où? Oui, là. Faut qu'on termine. Ok, ça c'est bon. Il reste encore 70 clous pour finir. On va faire, on va peler et on va remplir, on va faire chauffer, on va essayer de faire des clous. Voilà, 100 GM, ça me donne ça en vitesse. Mais normalement, si je dis pas bêtise, si je fais une pelle en fer, ça va un petit peu plus vite. PC. Quoi, ça s'arrête à 120, non? Non, c'est 250, je crois. On va essayer de faire un maximum. Normalement, enfin, je suis pas sûr. Il y a encore. On fait bien attention au sol, que je ramasse pas la pierre. Ok. On va déjà commencer avec ça. Oh là là, j'avais déjà oublié en fait. J'avais déjà oublié. Du coup, c'est 100. Non. Ça va être compliqué là.
On va aller à 80. D'accord, le fourneau contient 100 en quantité. Donc il y a 80 plus 20, ça fait 100. Mais là il y a manqué un, mais c'est ça le concept. Ok. On chauffe. On souffle jusqu'à ce que la barre échauffe. Encore. Encore. Ah, voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Je sais pas, je vais juste faire un test. Ok. Maintenant, on va aller à l'autre. Je pense que je vais mettre à 80 aussi. Ça veut dire que c'est encore pire. 80. 20. On va ici partir. Ça chauffe et du coup je sais pas qu'on va faire avec ça. Je sais pas, comme on a vu, vous le rejeter. Attends, je vais aller me mettre ici vu que j'ai pas de plate dans l'inventaire. Très bien. On va laisser ça ici. Ici, j'ai quoi maintenant? Ok. Les bois, je vais la mettre là-dedans en attendant. Je vais juste me débarrasser que j'ai dans mon inventaire. Alors. Oui. Très bien. Apparemment, j'ai mal au dos. Ok. Comme d'habitude. Non. Déplacer. Je vais aller manger avant de repartir. Ça, je vais mettre tout de suite dedans. Du coup, il faut 33 planches pour finir. Oui, les poissons, c'est là-bas. Hop, manger. Ah, celle-là, elle est bien. Ça remplit vite la barre que l'autre. La morue, elle est encore mieux. Et voilà. Maintenant, on va retourner... attends, j'ai dû vérifier ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, on va pas retourner. Par contre, celle-là, elle a baissé. Celle-là aussi. On va attendre. Il y a combien celui-là? 28. Ok, on va s'équiper. Je vais voir si je peux faire un deuxième creuset. Il faut de la pierre. Est-ce que j'avais pas dans la charrette, si je me souviens? Oui. Hop. Oula. Fabriquer. En quantité.
Ok. Il y a de la plate dedans? Je sais pas. C'est parfait. Au cas où, s'il y en a plus, si elle est pétée, j'ai juste à récupérer et l'autre, je jette. On vérifie. Ah bah voilà. Bientôt prêt. Souffler et c'est bon. Fondre. Morceau de fer. Quantité. Le problème, c'est que j'aurais pas dû allumer le deuxième. Pas qu'il va perdre du charbon pendant que je fais ça. Je crois que je vais d'abord calculer. On en a mis 80 minerais de fer et du coup... 80 sur 2. Donc ça fait 2 morceaux. Je vais faire un... Ah, c'est quoi? C'est qui s'est passé? Attends, je vais fondre. C'était l'endurance. Hein. Alors, 80 divisé par 2, ça fait 40. 40 morceaux de fer. Et après, on verra comment ça donne un morceau de fer pour faire des clous. Bah oui, je comprends pas pourquoi il s'arrête en fait. Est-ce que c'est le... Bah non. Continuer. Je sais pas du tout pourquoi il s'arrête en fait. Au niveau de la fonte, tu es déjà à 50. Cool. Vérifions. À 60, on peut faire quoi? De l'acier à 90. Alliage, d'accord. Des lingots de Votacus. D'accord. Déjà, je me rappelle plus du tout que c'est. Et nouveau champ, il n'y a rien du tout. Au niveau de champ, il y a moins de pertes des matériaux durables durant le recyclage des armes métalliques. Ça, c'est intéressant. Au niveau 90, vous pouvez recycler les outils, les armes et les armures en métal pour couler en barre. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez fondre de l'acier, des minéraux précieux. Ok. Oh, ça va, c'est pas dégueulasse. Hein. On va souffler. Ah, il aurait presque plus charbon. Je me demandais qu'il aurait presque plus charbon. On va lui faire la moitié. J'ai dû vérifier celui-là. Ah, c'est bon. Ah oui, les charbons vite vite. Tu sais quoi? On va l'éteindre. En fait, ça sert à rien de faire les deux si t'es pas en GM. T'as que tu gâches plus ton charbon de l'autre côté pour rien en fait. Je viens de le voir, il me reste 4 charbons. On est bientôt à 40, c'est cool. Ah non, il y en avait encore.
Et du coup, c'est pas bon mon calcul alors. Attends, je vais refaire le calcul. Ah oui, effectivement, je me suis trompé. C'est 160 en total. Pour 80 minéraux. En fait, tu prends deux morceaux de fer et tu multiplies par 80 qu'on a mis dedans. Ça fait 160. Donc, j'ai mal fait un calcul. Donc, il y a encore pour un moment. J'espère que j'ai encore du charbon. Eh ben, dis donc, ça c'est long, hein. Ben voilà qu'on travaille un peu sur le frondeur hein, pour arriver à l'arc. On n'a toujours pas encore fait. Allez, encore 40. J'espère que le projet va pas finir si bientôt. Il lui reste encore 9,10 points de vie. Au niveau de la fonte, on est à 68. Celui-ci, c'est que c'est de nouveau, je me rappelle plus, des poteries. D'accord, et nouveau champ, ça donne quoi? Vous pouvez créer des bagues de maître. Ok. Pour les champs, à mon avis, labourer avec la charrue, moudre du grain. D'accord. Au niveau 30, je peux extraire du miel. D'accord, donc du coup, je peux placer, mais je ne pourrai pas l'avoir du miel pour que je ne suis pas encore arrivé en agriculture avancée au niveau 30. D'accord. Et après ça, extraire des filaments de soie. Ah, alors là, j'ai bien peur, parce que là, j'en aurais besoin pour faire des vêtements. Activer la meule. Parce qu'on en aura besoin de la soie. Il faudra qu'on arrive à faire ça. Ça c'est quoi? 90, on peut fertiliser le sol. Et au niveau champ, on a un bonus permanent de plus 5 à la chance en cours de travail de ferme. D'accord. Du coup, au niveau 60, vous pouvez semer des choux, des raisins, des pommes de terre. Et vous pouvez planter des pommiers et des mûriers. Donc c'est quoi la totalité hein? Ouais, je pense que c'est la totalité. Ok. Alors, on en est où? Ah bah c'est bon, on a terminé. On éteint. J'ai plus grand chose. À mon avis, il va falloir que je réchauffe du bois. Je vais juste récupérer tout ça. Équiper les marteaux. Et celui-ci va bientôt. Il y aurait 4 points de vie. Bon, on va essayer de les terminer avec.
gérer. On met ça dedans, on met ça dedans. On allume, on chauffe. On chauffe. On chauffe. On chauffe. Non. Fondre. Non. Fort. Ah oui, pardon. Des outils en métal, des pièces en armure. Attends. Oula, j'ai fait une bêtise. Pourquoi? Pourquoi ça marche pas? J'ai pas compris. Voilà, peut-être qu'il faut que je le garde dans l'inventaire. Ah oui, voilà, c'est ça, j'ai compris. Donc du coup, pour faire des clous, c'est 10 morceaux de fer. On en fabrique et ça me donne combien? J'adore les marteaux qui tapent. Ça travaille dur. Donc 10 morceaux minerais de fer, ça me donne 10 clous. D'accord. Un marteau forgeron. Ah, on va les faire. Peut-être j'ai un avantage. Il faudra juste une branche et des lingots d'ordinaire. Attendez. Je crois que j'ai un lingot. Oui. Ok. Je vais remplacer mon marteau. On va prendre les marteaux forgerons. Je pense que ça vaut le coup. Fabriquer. Des creusets pinces. D'accord. Ça aussi pour qu'on les fasse. Je vais le faire. Ça, équiper comme ça, on va les faire. Fabriquer. T'as points de vie. D'accord. Ouais, après c'est la qualité. Il peut avoir plus que ça en qualité de vie. Et là, t'as quand... Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, qu'on va faire? On va s'équiper. On va voir la différence. À mon avis, je pense qu'il va aller un petit peu plus vite par rapport à l'autre. Fabriquer. Je pense qu'il allait plus vite. Mais ça te restera toujours 10. Oui, c'est ça. En fait, c'est la rapidité. Ok. Ah bah, tu sais quoi? On va produire en quantité le maximum. Ah, il faut pas fermer la fenêtre. D'accord. Excuse-moi. On va laisser faire son boulot. Du coup, on avait 1060. 10. Du coup, tu fais 10. 160, non c'est pas ça. 10 divisé par 160, non c'est 160 divisé par 10, ça fait quoi? 16. Ça fait 16 fois 10 fois 16, ça fait 160 en clous. Je crois. Je me dis pas de bêtises. Et les pailles de métal, ça coûte quoi?
Je sais pas si je peux cliquer ou pas. Attends, on va laisser le faire. Je vais pas en faire une connerie. Par contre, j'ai monté la compétence de forge. Oui, ça, ça m'intéresse. Je vais voir. Au niveau... Alors, niveau 30, vous pouvez fabriquer des armes en fer. Ça, c'est cool. Ouh. Ah bah, on a une pelle. Ça, c'est intéressant. On a une scie. La hache, la pioche. Des poignées, un lingot d'ordinaire. Ah, ça, c'est intéressant. Par contre, les armes, y a... si on n'a pas la compétence, on pourra pas les... utiliser. C'est ça. Maintenant, on pourra faire des boîtes à outils. C'est ce qu'il nous faut. Des pièges à animaux. Ça, c'est intéressant. Et niveau 60, vous pouvez fabriquer des armes en acier. Une pioche en acier trempé. On a une serrure. Un alambic. D'accord. Et niveau 82 vous permet de fabriquer des armes exceptionnelles, qualité augmentée de 20% de plus. Et un nom unique. Forger des armes en acier vacuum. D'accord. Et nouveau champ. 11% au lieu de 1%. Franchement, on avance super bien. Alors, on est en 160. Oui, c'est bien ça, 160. On va l'éteindre. Il y aura 18 de charbon. À mon avis, on n'en aura pas assez pour faire le deuxième. Il faut qu'on refasse du stock. Mais en attendant, je pense que je vais m'attaquer au poulailler ou non, on va faire plutôt le pergola. Ah, il me faut le marteau. Bien sûr, c'est pas le marteau qui va avec. Équipé. Et du coup, je vais fabriquer des creusets pour rien en fait. C'est pas grave. Ah oui, quand même, 70, j'avais oublié qu'il faut 70. Allez les amis, les premiers pergolas, il va être construit. Oh, c'est magnifique. Je l'adore. On termine, il me reste 20 clous. C'est pas grave, on va le refaire. Ah, c'est génial. Par contre, il y a un pitron là-haut. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas si mal. Est-ce que je peux passer entre les deux? Oui, on peut faire un deuxième. Au cas où, si celui-là, il est cassé, on pourra faire un deuxième. On peut l'utiliser l'autre. Ici, on va faire une table. On va mettre peut-être un banc pour faire joli. Et des coffres, des tonneaux partout ici. Qu'on puisse stocker tous les matériaux de la forge à l'intérieur. Pour éviter de stocker dans l'entrepôt pour rien. On utilisera pour une bonne cause, par exemple des armoires pour mettre des vêtements, des armures, etc. Ou alors dans la maison, pourquoi pas, c'est pareil. Mais franchement, c'est magnifique. On mettra des trophées, des têtes de trophées dessus, on décore. On peut faire des palissades aussi, hein, autour. Hein. Ah c'est vrai, j'ai pas pensé des palissades, pourquoi je pense mal? Bah oui, pourquoi j'ai pas pensé? Attendez. Créer... non, construire. Regardez, j'ai pensé que je vais faire comme ça. Pour la poterie, je vais la mettre ici. Je vais décorer un peu, pourquoi pas. Ici, je vais mettre construction. Attends, construction simple. Clôture. Et si on fait ça en premier? Ah, ça m'embête beaucoup. Et c'est quoi? On va faire ça pour commencer. Ça, ça a l'air pas mal. Ça va être plus joli. Est-ce que ça me gêne ici ou pas? Je peux travailler? Oui. Oui, je peux travailler ici. Ça ne dérange pas. Franchement, on avance super bien. Clôture, tressée. Celle-là, on peut la fabriquer.
Ça là, il me dérange pas les autres, j'attends encore pour le moment. Clôture, traite. On tourne, on installe. Attends, j'ai réfléchi. Il sait que j'ai penché. Attendez. Je vais muter un peu les clôtures différemment. Maçonnerie, clôture en pierre. Pourquoi pas? Je vais essayer pour voir si ça fait joli. J'en mets deux clôtures en pierre et les restes en tresse. Pourquoi pas? Je vais essayer si ça fait joli ou pas. Vous savez quoi les amis? J'ai encore une autre idée. Encore mieux. Celle-là, je vais l'enlever. Et j'ai pensé à quelque chose. Je vais juste l'agrandir. Et je vais mettre de la terre forestier et je vais mettre des arbres et des plantes ici. Pour faire joli. Je viens de trouver une idée super... clôture, tresse, on va faire ici. Comme ça. Il va falloir que je renlève les pavés que j'ai mis au sol. Je sais pas si ça vaut le coup de les mettre. Alors, attendez. Je réfléchis. Ça, j'ai fait l'extérieur et cette partie, j'ai fait à l'intérieur. Oui, on va faire comme ça. Là, comme ça. Et ici, je sais pas qui je veux. Je pense pas que je vais faire une ouverture du deux côtés. J'aimerais le fermer juste ici pour mettre la table derrière. On fait une entrée par ici. Je préfère comme ça. Libère, non, clôture. On va rester comme ça pour le moment. On verra ça plus tard pour le côté. Je vais juste rajouter encore une ici. Là. Et du coup ici je vais dépaver le sol, baisser le niveau du terrain, je vais juste mettre ça pour que je voie. Voilà, on va faire une fois. Franchement, c'est une super idée que j'ai trouvée. Je répète encore une fois, la pierre, je vais les poser tout de suite là-bas. Répétition. Je vais juste débarrasser les clous. Ah, c'est 60 en plus. 60, donc il faut 120 un clou. Ah oui, d'accord. Je vais enlever encore juste un seul. Comme ça, j'ai rajouté de la terre. Des forêts. Pour remonter à 50. Plus l'arbre, ça fait 5,1. Et une fois que les arbres sont plantées, je peux enfin fermer le... Oula. Ma pelle, elle est morte. Ah ouais.
Elle est morte. On va les jeter ici. Est-ce que je peux en refaire ou pas? J'ai plus de bâtons en fait. Aïe 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 aïe, j'ai plus de bâtons. Il faut que j'aille en chercher des bâtons. Attends, attends, ici, 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 ici. Il y en a, il y en a, il y en a. Mais dis pas de bêtises. Par contre, je sais pas comment il m'en faut. Pelle. Tac, 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 tac. Fabriqué, c'est parfait. Voilà. On va s'équiper la pelle. Ah oui, le feu, on n'a plus besoin. On continue la dernière à baisser. Voilà. On va mettre la terre. On plante. Et une fois que les arbres sont plantés, on peut enfin fermer à l'intérieur. Parce que je me souviens que je fais tout de suite, je ferme. Je peux plus planter, ça va me faire un carreau rouge. Donc si je mets tout de suite ces arbres, j'ai une chance de les fermer comme j'ai fait là. Et ici, je pourrais enfin poser des bons, quelque chose de construction par-dessus. Parce que quand c'est carré rouge, je peux rien mettre dessus. Ça veut dire que je veux mettre un banc, je suis obligé de les mettre ici au lieu de ici. Ça me perturbe la construction en fait, c'est ça que je veux dire. Alors, ça, dedans, on va chercher la terre de forêt. Heureusement, j'en avais encore ici. Vous savez que normalement, on peut économiser de la terre sans abîmer la pelle. En faisant juste comme ça. Top. Mais il faut les arrêter après. Normalement, on n'abîme pas la pelle. Attends, je vais juste vérifier. 24,80. Vérifions. 24,80 effectivement. C'est mieux de faire comme ça, sans abîmer la pelle. Parfait. On va juste le reposer. Des pains. J'ai mis quoi ici? Des pommiers. Je pense que je vais remettre deux pommiers ici. Bonne question. J'aimerais bien mettre les noisetiers, mais j'ai pas. On n'a pas cherché. Tu sais quoi? On va aller chercher les noisetiers. On va te mettre en OGM. Je vais chercher les noisettes. Il doit être quelque part. On va enlever ça. Non. F8 pour voler. Normalement, c'est quelque part dans le sud. Il y a un grand terrain vaste, immense, vide. Si je me dis pas bêtise. C'est peut-être ici. Non, c'est pas ici. Je me rappelle plus où c'était. Je vais aller voir par là-bas. J'ai pas l'impression que c'est par ici. À mon avis, ça doit être dans le nord. Ah, c'est pas ici, c'est pas ici. Pas ici non plus, je crois pas. Hein. Non, je pense pas. Attends.
Non, non, c'est pas ici. Il est quelque part. Normalement, il y a une grande plaine où on peut traverser. Non, c'est pas ici. À mon avis, ça doit être dans le nord. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a un pommier. Je vais voir la qualité du pommier en haut. 85! On récolte, on récolte. Oh oui, il me faut. C'est là, il veut la planter. Merci. Je me demande, est-ce que les arbres en haut, ils ont de la bonne qualité ou pas? Contre-boulot. 78. Intéressant. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Il est nul. Il est nul. Il y a 78 celle-là. Et celle-là. 31. 10. Et 1. Qui là, il est nul. Bref. Ça doit être sympa de faire une belle base ici. Mais par contre, pour monter de la montagne, ça, ça va être la merde. Donc, non. Merci, j'ai pas envie. Alors, je me demande s'il y a quelque chose ici. C'est quoi ça? Érable. À mon avis, il est quelque part la plaine. Ici, non? Je suis certain qu'il était dans le nord. Ah, peut-être ici. Ah, c'est vrai, pourquoi j'ai pas pensé à faire une base ici? Ça a l'air pas mal ici. Le, 97. Alors, celui-là, il est encore mieux. Hein. Pousse. Ah, celle-là, elle est encore mieux. Hein. Ah, maintenant, faut retirer. J'ai pas assez. Je suis même pas encore à 90, moi. Bah oui. Attends, là, je suis en train de trop rêver, là. 85, 87. Bah oui. Je suis même pas encore à 90. Normalement, ici, il y a des animaux. Il faut capturer des vaches, quelque chose. Des... Non, c'était des moutons ici, je me souviens. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Les noisetiers. C'est que c'est ça ici? De la pierre. Allez, on continue. Ça me fait chier, je vais pas avoir trouvé du noisetier. J'essaie de me rappeler où c'était. Et qu'il y en a ici normalement. Ça c'est quoi? Des ombres. Ici? Non? Ici? Chêne. Je sais plus à quoi ça ressemble. Là, non. Non. Là, non plus. Ah, des broussailles. Des broussailles mineures. Ça sert à quoi? J'ai récupéré quelque chose. Apparemment, c'est pas ça. C'est compliqué, hein. Bref,
On va remonter. Je vais passer par là. Ici, je me rappelle. Ici, on trouve de l'or et de l'argent ici. Je me rappelle, j'avais farmé ici de l'or et de l'argent. Est-ce qu'il y en a quelque chose? Oh, le cerf, comme il est beau. Ah, il y a un bébé. Une biche. Est-ce qu'il y a un noisetier ici? Non. Putain, c'est compliqué. Ah, ben voilà, il y a un sanglier. Il y a un deuxième sanglier. Mais toujours pas de noisetier. Ça va être compliqué là. Ici, ça m'étonnerait. C'est ça? Non plus. Non. Non plus. Des chaînes. Ici, non plus. Ici? Même pas? C'est une blague? C'est pas possible ça. C'est pas possible. Pourquoi j'en vois pas des noisetiers? Est-ce que ça a été supprimé du jeu ou... Ah non, c'est pas possible. J'essaie de trouver quelque chose pour décorer. Attends, on va voir ici. Non plus, non plus. Celle-là, non plus. C'est pas possible ça. C'est ça? Non. Mais c'est incroyable ça. J'en trouve pas. Ça non plus. C'est quoi ça? C'est rien. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ça? Non, c'est du pain. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-haut? Un arbre tout seul en haut. Ah oui, 94 en plus, ça m'étonne. Je vais quand même les récupérer. Et celle-là? 31. C'est nul. Et toi là-haut, le jorme, 24, les chênes, 97. Eh ben, dis donc. Dire qu'il n'y en a pas ici. C'est incroyable. Il y a un animal. Non? Oh non, c'est une tête dure. C'est pas possible. Il doit bien avoir quelque part. Hein. C'est pas possible qu'elle a été supprimée.
Il y a un cheval. Je veux l'apprendre. Je peux? J'ai pas prêt pour doper un gros animal. Dommage. C'est dommage. Et il était où? Ici. D'accord. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Non, c'est un pommier. Ça, c'est un pommier. Chouche. 48. Ça me paraît fou, hein. J'ai pas trouvé un seul. Et des pommiers. Attends, ça me rappelle quelque chose, ce chemin. C'est peut-être par ici, attendez. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. C'est ici? Non, c'est pas ici. Non. Mmh. 99. Ah ben dis donc. Contre-boulot. Contre-boulot. Érable. Notre boulot. Ça me rend fou, ça me rend fou. Ici. Érable, érable. Le pain. C'était du pain. Non plus ici. Non plus. Peuplé, pommier. Je sais pas si je vais y arriver à les retrouver ou pas. C'est sûr que c'est pas ça?
pommier. Est-ce qu'il y a des ormes? Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Et si je viens par là? Ah, tant pis. On rentre. Tant pis. On va pas s'embêter avec ça. On perd du temps. Du coup, mon inventaire, il est pas plein. Okay. On enlève les GM. Voilà. Allez, on reprend où on est arrêté. On va prendre ces deux là, je vais les poser là dedans ça ah si c'est là si attends c'est là on va la planter directement là bas je vais prendre ces trois là et ces deux là et je me fais pas chier parce que sinon on va mettre une éternité planter noisetier. Bah oui, on était clair qu'il y avait un noisetier quelque part. Par contre mûrier, j'ai jamais trouvé où c'est. Pommier pommier. On va planter les pins. J'en ai trois. Ok. Voilà, je peux même plus planter ici. Planter. Non, je vais pas faire n'importe quoi maintenant. On a déjà là. Allez, on le repose. Ça. Ouvrir. On va prendre ça, on verra bien. Ouais, on va avancer là parce que j'ai perdu beaucoup de temps avec on va aller un peu plus vite. Augmenter le niveau du terrain. Okay. Planter les pommiers. Augmenter les terrains. Planter les pommiers. Ça, c'est de bonne qualité ça. Ouais. Augmenter.
va en mettre ici. Du mal à route, pourquoi pas. Ok. Bon. Qu'on va faire aujourd'hui? Je vais te faire mener tout ce chien là, 40, 250. 250, j'en ai ici. Ça, on le remet dedans. Voilà. Il faut qu'on cherche encore de la fibre et je sais plus qu'il me faut de l'eau, oui. Ça, ça. On va chercher de la fibre. En GM, ça va aller un peu plus vite. Matériaux. Voilà, c'est mieux. Fibre. Fibre. On va pas prendre les autres, ça sert à rien. On prend ça. Voilà. On refait. C'est plus pratique hein, sur la plage. Hein. Normalement, je devrais en avoir assez. 29, oui. Ouais, c'est bon. On va chercher de l'eau. Faut que je m'avance. Ok. Oula, non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Allez, continue. Ah, c'est... Ah oui, carrément dans l'eau. C'est une blague. On va aller jusqu'à 40. Même si j'en ai trop, c'est pas grave. Ok, par là. Allez, c'est parti. On va aller un peu plus vite. C'est parti. Voilà, ça c'est bon. Pour ici. Construire. Divers. Non, coteux, pardon. Crête. Effectivement, c'est exactement ce que je voulais. Par contre, ça coûte combien Non. 10 branches. Ok. Construction, on va dans maçonnerie, clôture. Maçonnerie, clôture.
Et ici, on reprend en tressé. Parfait. Alors, ça fait 1, 2, 3. Attends, c'est mieux. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, du coup, il faut 8 bâtons. 80 bâtons, pardon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je vais les voler. Aller en forêt. Récupérer des bâtons. Voilà. On se pose. Changement de caméra. Branche. Il dit combien? 90 hein? De la pierre, on en a normalement. Si je dis pas bêtise. Ah oh, c'est là qui est une bonne qualité alors. Tu en veux combien toi? 71. Ça fait 50. Soixante-sept, on continue. Je crois que j'en ai assez là. Parfait, pile poil. On prie. C'est parfait, on y va. Je vais récupérer son pierre si j'ai là-dedans. Ah non, j'en ai plus. Dans la charrette. 79. On va aller vite chercher, putain. Pas tout de suite. Construire. Bingo. On continue. Aïe. Ça prend forme, hein. C'est vrai, j'aurais dû mettre de la pierre de l'autre côté aussi. Mais bon, là maintenant c'est trop tard. Ils sont déjà plantés, je peux plus remodifier. Ah si, je peux remodifier. Si, si, si. Si, si, je peux remodifier. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Magnifique. Le dernier. Regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement,
c'est une belle archichette. Je vais juste chercher la pierre pour finaliser la lorette. On va sortir. Changement de caméra. Creuser un tunnel en avant. T'en compte. Encore deux fois. Ça dépend encore un peu comme ça, j'en ai. Ah, je sais ce que je voulais faire. Je voulais tailler tout de suite les. Je voulais faire les 30 tout de suite pour l'autre. Pour le la forge. Je voulais une thermite tout de suite. Comme ça, c'est fait. Ok, il n'y en a pas assez. Un, deux, trois, quatre et cinq. C'est bon, 200 plus ça. Je vais faire pour l'autre mur aussi de l'autre côté. Je vais la modifier comme j'avais dit au poulailler. Donc, ça fait quoi? 2. Attends. Champ et champ. Ça fait 4, 5. Je crois que c'est 6 champs. Voilà. Ah bah j'ai gagné un de plus, c'est parfait, mais c'est pas grave, on t'en fout. Je vais peut-être faire un truc qui m'intéresse. Je sais pas, je vais voir. Alors. Construire, non pas ça. Hop là. Le dernier. Franchement, c'est pas si mal. J'aime bien. Ça change un peu. On va vite déposer ça là-dedans. Une billette. On va la récupérer. Bande d'argile et de l'enclume pour refaire de nouveau. Alors ici, comment je voulais le faire en fait, j'aimerais le faire autrement. En fait, celui-là, je vais les démolir. Celui-là aussi, j'aimerais le démolir. Et celui-là aussi. Je pense que je vais faire comme ça, un peu mixte, pour changer. Construction simple, non. Construction. Clôture. Comme ça. Clôture. Je vais la mettre directement dedans. Mais je la construis pas tout de suite. Il faut d'abord que je plante avant de la construire. Parce que sinon c'est foutu. Couture. Clôture. On met dedans. Voilà. Celle-là aussi. Ok. Alors,
ici. J'ai besoin de 20 d'argile. Et pour l'enclume, je crois qu'il faut 8 lingots. J'espère que j'en ai encore. Non, j'en ai pas encore. J'en ai pas assez. Donc, du coup, il m'en faut 20. Qu'on va faire, je vais baisser. Façon, ça suffit là. Comme ça. Il est où le charbon là-dedans? Il est où? Il est mis là-dedans. J'ai 18. Ah bah il y en a déjà dedans. Ça, lingot sélectionné pour quantité. Ah d'accord, je vais m'équiper. J'en avais 6 dans l'entrepôt, donc du coup il faut que je fasse encore 2. Ok. Gérer le fourneau. Non. Morceau de fer. Quantité. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Franchement, ça va être très joli. Mais pour l'instant, on a encore beaucoup de travail. Mais c'est ce dommage aujourd'hui qu'on n'a pas fait les champs. Donc on fera pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui on ne fera pas. On n'aura pas le temps. On a perdu beaucoup de temps pour aller chercher des noisetiers. On n'a toujours pas trouvé. Faudra que je cherche les forêts un peu plus tard. Les emplacements où ils se trouvent. Parce qu'on a fait tout le tour de la carte. On n'a pas toujours trouvé un seul. Bon, c'était un peu embêtant. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Du coup ça on l'éteint, je récupère, je vais prendre tout de suite l'autre, ça allumé, chauffé, aïe j'ai fait une bêtise, voilà, fondre, morceau de fer, j'aimerais le faire tout de suite. Comme ça, j'ai ma tactique tout de suite. Aux enclumes. Qu'est-ce qui se passe? Il est niqué? Non. Ah non. Ah non, en mode GM, tu perds rien en qualité des outils. C'est incassable, ça c'est bien. Mais bon. Par contre, je suis pas sûr qu'on avait déjà cherché de la fibre végétale pour le poulailler. Je sais plus. C'est une blague. C'est une blague. Le fourneau a pété. On va la mettre dedans. Donc ça veut dire que le fourneau, qu'une fois qu'il est pété, il faut le démolir et le reconstruire. Parce qu'on n'a pas encore les matériels pour pouvoir les réparer. Et encore, en début du jeu, c'est chiant pour réparer, il vaut mieux le refaire. Franchement, c'est pas difficile de le refaire en fourneau, mais il vaut mieux le refaire que plutôt le réparer. Les pièces de réparation, il vaut mieux utiliser surtout pour la forge. Il coûte très très cher à la construction pour le refaire. Ça vaut rien. Une fois qu'on aura une grosse caisse, on fait du stock et on peut le reproduire. C'est ça qui est mieux. Par contre, j'aimerais bien savoir qu'au niveau de la qualité pour un fourneau, je me demande plus combien une bonne qualité et qu'il a une plus de durée ou pas. J'aimerais bien les découvrir celle-ci.
Ok, on croit qu'on a terminé. Effectivement. J'aimerais récupérer juste tout de suite le... les lingots de Chirette. On a bien 8, hein. J'espère que c'est pas 9. Hein. Le moule, il est ici ou dans l'autre? Ok, il est pas ici. J'ai dû voir. Il a une qualité de combien celui-là? 4650. Et celui-ci, 4650. Je sais pas. Il faut voir avec la qualité. Si c'est vraiment vrai ou pas. Par contre, le moule, il est passé où? Là-dedans. Et je l'ai perdu. Ah, il est peut-être dedans, non? Ben non, il est où? J'ai fait quoi avec le moule? Attends, on va voir qu'il est pas dedans. Ben non, il est passé où le moule? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il a disparu. Bah, il est là-dedans. Bah non, il est là-dedans. Bah non. Bah, je comprends pas, il est passé où le moule? Non, il est pas là. Là-dedans? Non plus. Là-dedans? Non plus. Celle-là, je viens de la refaire. Mais c'est une blague, quoi. Là-dedans? Non plus. Attends, celle-là, je vais la mettre dedans. Alors là, c'est très bizarre. Pourquoi? Comment ça se fait qu'elle a disparu? Ou alors je l'ai mis dedans? Non plus. Là-dedans? Non plus. Oula, c'est une étrange histoire celle-là. C'est quoi? On va juste manger. Alors c'est très très bizarre. Normalement elle n'est pas censée disparaître. Je comprends pas. Oh là 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 là, c'est quand même bizarre. Bref, on va essayer de refaire. Hein. Voilà, modeler les moules. C'est quand même très étrange. Normalement, ça ne disparaît pas. C'est... Bref. Bref. Allez, on y va. Je vais voir la qualité avant qu'il me pète. Ah, c'est bon, il y a assez, géré. C'est sûr qu'il était là-dedans. Hein. Ou c'est dans les fourneaux. Non, 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 attends, attends, attends. Je crois qu'il est dedans qu'il faut le faire. T'as allumé, soufflé, fondre. Je savais. Je repère une connerie. J'ai l'enclume. On éteint. Ta. On termine. Et voilà. On en a deux côtés. C'est super cool. À l'occasion aussi, on va faire la même chose que de l'autre côté. On va mettre deux barrières. On refait avec des arbres aussi ici. Des pommiers, de nouveau deux pommiers, des arbres, ou alors que des arbres. Pourquoi pas, comme ça, on est fermé. On est bien décoré, pourquoi pas, avec une vue de voisin, du deux côtés. Ici, on fera encore des espèces de sacs pour les minerais. On va les garder comme il est, on va essayer de remonter le niveau un peu ici, correctement.
Ou peut-être pas obligé de remonter. À voir encore. Je sais pas encore. Bon, en tout cas, là, ici, c'est terminé. Il reste juste encore maintenant des coffres, des tables. Quelque chose, pourquoi pas. Créer des meubles. Par exemple, des caisses. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Des coffres. Ah oui, ça coûte cher. Ah, il faut qu'on fasse un lit. Hein. Mannequin d'entraînement, il va falloir qu'on le fasse aussi. Voilà, la table. Le tonneau, c'est ça qu'on devrait le faire. C'est quoi, on va essayer de mettre une table pour voir. Comme ça, on avance plus vers derrière. Comme ça, on mettra deux tonneaux ici. On mettra des coffres ici sur la table, en dessous, par-dessus. Pourquoi pas. C'est un bon début. Ici, on pourra poser un banc ici. Ou alors, je mets un banc ici. On gardera la place ici pour mettre un poteau, un lampadaire, par exemple. Pourquoi pas aussi. Ici, on a... Ah, petit, c'est déjà fait. Mais en fait, il manque, il y a des planches. Ouais. Des coups, il y en a. Non, pas assez. Franchement, c'est pas mal du tout. Je vais essayer de terminer. Non, c'est pas ici, c'est ici. J'ai dû vérifier au niveau de l'état. Voilà, ça va. Ça tient encore. Gérer. On met ça dedans. On allume. On chauffe. Est-ce que je suis équipé? Je sais pas. Je vais voir. Fondre. Non. Forger. Ah non, c'est forger. Des clous. Par contre, il y a quoi ici là? D'accord. D'accord. Un couteau à dépercer pour qu'on fasse. La hache, ça demande quoi? Des lingots fossiles. D'accord. Du verre. La pelle. D'accord. Ah, ça c'est intéressant, on pourra le faire. La scie. Oui, il faudra qu'on fasse aussi. Et ça, ça demande quoi? De. Ouh, ça j'aime pas trop. En début du jeu, j'aimerais pas tout de suite. Par contre, ça. Ok. Ah bah écoute, on va déjà commencer avec... Attendez. Ça, ça demande quoi? 5 barres d'ordinaire. Et ça, c'est quoi? 2 lingots. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous possédez les bons outils de marque... Ah, d'accord. Je me suis trompé. Excuse-moi. C'est le marteau de forgeron que je dois prendre. Ok, quantité... La durabilité. Wow, largement. On a eu le temps. Par contre, ça va très très vite. Avec les marteaux. Ça, c'est génial. Ah bah non, c'est parce que j'ai mis en OGM. Mais oui, c'est bête. Alors là, on a beaucoup de clous. Ça, c'est bien. On est tranquille. Parfait. Je vais voir un truc. Ok, bon, tant pis. Ça ne sera pas aujourd'hui. Je veux l'éteindre. Éteindre. On va déplacer. On va mettre les clous dedans. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait et il me reste 160 de clous. Magnifique, on va les mettre dans l'entrepôt.
Les bâtons, on va les mettre ici. Ça, on va les mettre ici pour le moment. Les pommes, on va la poser ici. Non, on va la garder. Non, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin tout de suite. L'eau, je vais le déposer là-bas. Du coup, il y a peu quoi? 30, 40, 30, 31, 32, 33. 33 planches et on... Tu sais quoi? On va terminer tout de suite les 33 planches et après on va arrêter. Mode 2, on va voler. On va aller directement là-dedans. Je vais peut-être aller vers ici, un peu plus loin. C'est parti. Chat, tac. Je vais vérifier. Ça contient, c'est déjà pas mal. En abat. Oula. Enlever la couche. Débouper en planche. Ah, c'est bien, ça monte. Ça, c'est cool. Essaye d'aller jusqu'à 33. Encore, encore. Continue, continue, continue. Ah, il m'en manquait 3. C'était génial. Juste vérifier celui-là. 10. À mon avis, ça ne tape pas grand-chose, mais c'est pas grave. Enlever la touche. Il est où? Planche. Allez, on termine. Magnifique, c'est bon. On va finir ça. Une prière pour rentrer. Ok, on y va, on fonce. On attaque. On attaque. Quelque chose qui m'empêche parce que je suis devant. Oui. Ah punaise, il est trop beau. J'avais oublié qu'il était beau. Allez, on termine. Ça y est les amis, on a terminé les poulaillers. On a fait la déco ici. On a bien avancé. On a fait les chemins qui étaient très longs. Je suis très content. Mais par contre, on n'a pas pu faire les champs. C'est pas grave. Alors, comment ça fonctionne dedans? Je ne me rappelle plus. Ration. Ok, ok. On va peut-être découvrir ça pour la prochaine vidéo. Les premiers poules qui vont arriver. Ou des lapins, je sais plus ce que c'est. Et c'est pas que là qu'on va recevoir des plumes pour pouvoir fabriquer des arcs. Ah oui, on a oublié quelque chose avant de partir. J'aimerais construire le truc de l'entraînement. C'est quoi? C'est décoration meuble, je crois. Tir à l'arc, non, c'est pas ça. Si, corde, billette, paille, non, c'est pas ça. Parce qu'on n'a pas la paille encore, donc c'est les mannequins qu'il faut. Ah oui, ça va coûter cher. Hein. Deux choix, j'en ai dedans. Mais non. Tiens, on le met dedans. Il manque une planche. Fibre végétale, on verra ça la prochaine fois. Je vais déposer les billettes dans le four à poterie
pour refaire du tot de charbon. Bon allez, on va s'arrêter aujourd'hui. On a plutôt bien avancé, franchement, j'étais très content aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, on va faire les champs. Impérativement, et après on verra la suite. Peut-être qu'on va essayer de faire des collets pour les poules et tout ça, pour chasser les premiers animaux, pour les reproduire. On va faire ça. Bon, moi je vous dis bonne soirée, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.